Si toi aussi tu veux être au courant des buts de tes équipes favorites, je t'invite bien sûr à télécharger l'application CrowdScore disponible sur iOS Android, une application qui couvre plus de 230 compétitions de football dans plus de 110 pays. L'application est très facile d'utilisation et bien sûr il n'y a pas de publicité. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une petite vidéo sur l'appli web, la web app. Je suis sur mon compte PS4, c'est la première fois que je lance. Et je me suis dit, bah, tiens, on va ouvrir ensemble les petits starter packs. J'en ai 7 au total, à peu près similaire à ce que vous avez pu voir normalement mardi, je crois, ou lundi soir, je sais plus, concernant l'application. Donc voilà, là, on est sur PS4. J'ai ouvert sur la précédente vidéo sur One. On est plutôt bien commencé. Je vais pas vous spoil, mais allez la voir ceux qui ne l'ont pas vu en tout cas. Donc c'est parti, on a 7 packs. All Player Pack, All Player Pack, All Player Pack, Gold Pack, ok. Encore un Gold Pack, un Reward Pack, un Gold Gift Pack. Ça, c'est le pack promo que j'ai eu. Par exemple, je connectais l'appli web. En gros, c'est un cadeau quotidien. C'est soit vous avez directement les crédits, soit vous avez un petit pack. Ces petits starter packs. Et puis, on va voir si des fois, on pourra avoir un peu plus de chance que sur One. Premier pack, et Nacho Fernandez. Les espèces-là, ils m'aiment beaucoup hein, sur ce début. Ok, Nacho, c'est pas mal hein, quand même. Une belle petite carte. Ce Nacho-là. Pape Souéré, malheureusement, ce qu'on suit un peu l'actualité, grave accident de Pape Souéré, fracture de la mâchoire et du tibia, donc ça va être long pour lui de retrouver le terrain de foot. Memedi et Rice. Ok, bon, c'est un bon petit pack. Des joueurs intéressants, puis on a un petit argent qui est une belle petite carte. Ouais, l'argent est une belle petite carte. Donc c'est parti, on conserve tout. On désactive les notifications Twitter avec le téléphone, sinon bah, vous allez entendre toutes les sonneries à chaque fois. On continue, deuxième petit pack, un gold pack avec un élément rare, et c'est Mexer, ok, le défenseur du Stade Rennais. Quelle est la carte rare? Un kit maillot la Colombie. D'accord. Ah bah voilà, on a une petite. Ouais, l'équipe elle commence bien sur PS4. Hein. Ivan Cuellar avec Nacho, ça fait un trait tout simplement. Mexer, Hakuna. Ok, belle petite carte. Les kits maillot. Alors bon, on voit qu'ils n'ont pas encore toutes les licences pour les maillots. Un petit style. Ok, bon là, ouais. Ouais, on a connu pire, on a connu mieux. Pour le moment, c'est pas top par rapport à l'ouverture sur One. Allez, troisième pack, un petit rare ou pas? Nadiel De Jong, 78. On a des bons petits joueurs quand même, hein, faut être franc. Alors, j'ai pas compris le système de mettre la carte rare en premier, même si elle est inférieure. Ça, c'est pas très logique selon moi. Donc, Kipling, ok, De Jong, Ricardo Ferreira, un bon petit défenseur. Weiser, ah, c'est lui qui avait été Tots l'année passée. Je sais pas s'il y a encore les 4 étoiles. Et Fry, le Suisse, et oh, Yebda, l'Algérien, ok. Peut-être, ah, c'est Jacques Fati, non, c'est Jacques Fati ou Ricardo? Non, Ricardo Fati, si je dis pas de conneries. Ok, bon, bah ça va. Mais bon, hein, on aimerait bien avoir une petite carte rare. J'en ai eu deux lors de mon ouverture sur One. C'est parti. Ah, d'accord. Ah, c'est un pack bon, je me suis dit. D'accord, Akari, ouais, bon, ça on s'en bat les couilles, hein, faut être franc. Donc on va avoir le prêt normalement du. Attends, on n'a pas de prêt avec légende. Comment ils vont faire? Sur One, on avait un pack prêt avec la légende. Donc j'ai eu Lundberg. Et là, on tombe. Kusher, vas-y, c'est quoi ces joueurs à 78 max là? Alors, Ismailov, Kiki Ofomfom, Kusher, Ruiz, Guzan. Ouais, ça reste quand même des joueurs qu'on connaît. But, oh, belle petite carte pour Kiki. Ok, pas mal, ouais. On conserve tout ceci. Il nous reste deux petits packs. C'est parti, un gold pack, un seul élément rare. Lopez, ok. Bon, alors, les Espagnols, ils m'aiment beaucoup hein, ce début de FIFA. Javi Lopez, Huddleston. Ouais, bon, là, je suis un petit peu déçu. Hein. Franchement, les starter packs. Starter pack, non, non. Les starter packs sont pas extraordinaires. Dernier joueur. Kayashvili, ok. Ouais, bon, un petit géorgien. Ouais, bah, un petit peu déçu, hein, pour être franc avec vous, les amis. Donc, les amis, on se retrouve sur un autre compte. Donc, j'ai basculé. On est sur le compte, si je dis pas de conneries, c'est celui de Pack2D1 sur Xbox One. Donc, là, j'ai pas eu beaucoup de packs, seulement 4 avec le pack en plus, qui est, comme vous le savez, on a une légende de près. Bon, ça reste quand même 4 petits packs. On va voir si, du coup, on pourrait plutôt bien commencer ou non sur ce compte Xbox One. Premier joueur, premier pack, c'est parti. Ok, je ne connais pas. Un joueur du CSKA Moscou, Nababkin. Ouais, bonne vitesse, latéral gauche. L'alternative, pourquoi pas Clichito cette année, ouais, pourquoi pas. Lopez, ok, Gargano. On continue, c'est parti. Donc, deuxième pack des 4 packs. On commence par un rare, c'est intéressant. Deuxième pack. Ouh, Fernandez. Est-ce qu'il a toujours les 5 étoiles ou pas? Je ne sais pas. Certainement, je pense. Rondon, Mali et Victor
Rodriguez. Eh, belle petite carte quand même. Et Finlandais, je sais pas si elle est 5 étoiles. Ouais, je pense. Hein. Quoique j'ai pas regardé, donc je sais pas. Pas dire de conneries. Ok, bon, et on deux joueurs rares de suite, ça fait plaisir. C'est pas du genre de fou, mais ça reste quand même deux joueurs rares. On continue, troisième pack, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe. Ouh, Morgan Sanson, encore un joueur rare, 78. Très belle carte, oh oui, très belle carte. Là, on peut la comparer à des joueurs comme Tolisso, Abu Diaby. Enfin, c'est très, 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 très homogène. Plus de 71 de partout, c'est très intéressant. Castaigne, s'il joue au Sporting, c'est vrai. Oh, Marco Marine et Kleber Rice, défenseur. Oh, intéressant, 71 de vitesse, pourquoi pas. Ok. Eh ben, dis donc, ça, c'est des bons packs, ça. Ça, c'est des très bons packs avec Morgan Sanson, hein. Allez, on continue, dernier pack. Avant d'ouvrir le pack avec la légende, en prêt, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe, on tombe. Sur Moreno, ouais, défenseur mexicain du PSV Eindhoven. Donc ça, c'est un bon petit joueur. Idriss, ouf, 87 de physique. Ah oui, ça, 71 de défense, est pas mal. Moreno, Castils, gardien belge. Adam, Stendero, non, Stendardo, pardon. Oh, Beckford. Ok. Ouais, bah des bons petits joueurs quand même, dis donc. Là, on a quand même bien commencé sur ce compte, ça fait plaisir. Et on termine, les amis, par le joueur où il y a une zone en prêt. On tombe sur... Oh bah Lundberg, vas-y, j'ai la même chose sur One. On n'a pas de joueur rare avec, enfin or. Non, ok, et bon, on conserve. Et bah ce fut un bon petit pack unique quand même, hein.